Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième stream de la trompette. Alors aujourd'hui, on va changer un tout petit peu le programme des précédents streams. J'avais envie de varier un tout petit peu, donc on va faire des flexibilités un peu de colline dans les 100 exercices d'échauffement originaux de colline. Ensuite, l'étude petit, une nouvelle étude petit. Un peu de Clark, on va retourner voir notre technique. Toujours la suite des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Et enfin, un peu de Do Vernet à la naturelle, parce que j'ai remarqué que la méthode Tarr est beaucoup pour l'instant, enfin je lise un peu plus précisément, mais ça a l'air d'être beaucoup dans le registre clarino. Et étonnamment, c'est ça qui m'intrigue, et en même temps j'ai envie de voir ça un peu. La méthode d'Auvernet, c'est dans la tessiture beaucoup plus basse. Alors est-ce que c'était plus la trompette de cavalerie, plutôt que ces grandes trompettes naturelles qu'on a maintenant, je ne sais pas. Mais on va regarder un tout petit peu ça, et puis voir ce que d'Auvernet nous raconte. C'était la première méthode avant Arban, parce qu'il faut savoir que d'Auvernet était prof de trompette, et donc a écrit la première méthode de trompette, et ensuite Arban était prof de cornet à piston quelques années plus tard et a écrit en 1856, si ma mémoire est bonne, la méthode, grande méthode complète de cornet à piston qu'on connaît bien. Alors, je vais aller vous chercher la partition du colline qui est quelque part, la voici. Et est-ce que je l'ai? Alors pourquoi j'arrive pas à l'afficher? Déjà, ça commence bien. Colline, voilà. Et la voici pour vous. Et merci évidemment aussi à tous ceux, à tous les nouveaux followers de la chaîne, et notamment Speedy58 qui me suit maintenant. Donc vous êtes 22. N'hésitez pas à suivre la chaîne avec le petit cœur sur la vidéo Twitch, ça me soutient. Et si on arrive à 50 followers, ensuite on peut avoir un compte affilié et vous proposer de nouvelles interactions dans le chat, faire des Twitch communs éventuellement avec Fabien. Je vous remets le lien de sa chaîne, qui est le premier à avoir fait ses streams de la trompette. Alors, je vous agrandis un tout petit peu la partition. Voilà, donc on va faire un peu de souplesse pour s'échauffer tranquillement. On va commencer par le numéro 34. Et je ne vous ai pas baissé le micro, évidemment, désolé. Et voici, je rebaisse le micro. Continuer à s'échauffer tranquillement, on va faire le 35. Voilà, donc la souplesse, moi je trouve que ça fait partie des fondamentaux vraiment de la trompette. C'est un des exercices les plus importants, à mon sens, à faire. Et donc ça fait toujours du bien de faire ça, même comme échauffement, pour réveiller un tout petit peu les muscles. Donc on va continuer avec le numéro 36. Thank you.
va terminer avec le 37. Alors, on remarque que plus on associe de pistons, plus on a de la longueur de tube, donc plus les notes, on a le sentiment qu'elles sont proches. Donc, ça demande encore plus de centrage. Il y a presque ce côté trompette naturelle là quand on a les trois pistons ou l'avant-dernier. Pardon, je coupe mon téléphone. Ou l'avant-dernier doigté. Voilà. On va faire le numéro 37. Hein, n'hésitez pas, si vous êtes trompettiste et que vous avez envie de faire les exercices avec moi, à les faire. Et n'hésitez pas à partager aussi sur le chat, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce stream, ce soit l'occasion pour nous d'échanger sur notre instrument, sur comment on travaille tel ou tel paramètre, etc. Ça, c'était pour se réveiller un tout petit peu. Et on va aller directement chercher l'étude Alexandre Petit, si j'arrive à la mettre à l'écran. La voici. Donc l'étude numéro 5. Je vais vous réduire un tout petit peu. Voilà. Donc j'espère que vous pouvez voir correctement la partition. On a fait donc la 4 hier, voilà, donc pour mémoire, avec pas mal de souplesse. C'est marrant, ces études, toujours, bah, à l'époque, ça monte un peu moins haut. Je pense que les études actuelles, en termes de tessiture, je vois que j'ai pas remonté le micro, j'espère que vous entendez quelque chose. Donc, ces études Alexandre Petit, ça monte un tout petit peu moins haut en termes de tessiture que des études plus récentes, et pour autant, c'est très exigeant, je trouve. Notamment, ben, pour moi, ça me fait du bien parce qu'il y a pas mal de graves. Donc, voilà, c'est des études qui demandent une bonne tenue du masque, un bon soutien, etc. Donc, c'est toujours utile, et puis ça fait découvrir de nouvelles études, ça change un tout petit peu de celles qu'on fait tout le temps. Donc on va déchiffrer ensemble cette étude numéro 5 et voir un peu les difficultés qu'elle nous propose. Et c'est une étude qui était dédiée à son élève Hilaire Gobeau, premier prix au conservatoire en 1910. Thank you.
préférée. Donc, je vais tenter de trouver comment aller chercher ces notes graves sans ouvrir. Comme tu vois, j'aime autant le grave que toi. Donc toujours des bonnes occasions de le travailler, et notamment donc avec ces études petits, avec plein de sols graves pour mon grand bonheur. Voilà, donc ça fait toujours du bien d'aller trouver comment tenir le masque autour et en même temps laisser les lèvres s'avancer dans l'embouchure suffisamment, mais sans les ouvrir. Voilà, en théorie c'est facile et en pratique ça demande du travail toujours. Alors on continue, on en est au passage, je vous ai trop baissé la partition, au passage large, deuxième ligne pour vous. Le sol grave, c'est difficile. Mais clairement, pour moi, c'est beaucoup plus dur que de faire un contrut. Alors justement, une astuce que je donne souvent à mes élèves, là pour le passage, je vous mets la partition, voilà, sur la première ligne qui s'affiche, là, pour faire le do aigu. Pour moi, il ne faut pas respirer avant, même s'il y a le demi-soupir. Vous voyez, j'ai arrêté un peu le son, mais de jouer dans la continuité du soutien du diaphragme et de respirer un peu après. Parce que souvent, on respire juste avant une note aiguë, et ça, c'est... La meilleure manière, à mon sens, de pas la centrer, justement, au lieu de jouer sur la fin de l'air avec vraiment une tension, une ouverture du diaphragme. Ok, Fabien, et ben bon cours, et je ne sais pas si tu fais un stream. Ah non, je crois que le mercredi, tu fais pas de stream. Donc tu me diras si tu en fais jeudi, vendredi. Moi, je vais faire jeudi, je pense, à 13h, et vendredi à 14h. Voilà pour les prochains streams qui arrivent. On continue. Thank you.
C'est par exemple un ré, vous voyez, sur la ligne du haut, la fa, la, mi, ré, do, si. On va dire que c'est un ré. En tout cas, il manque une note. Ensuite, un peu plus lent, on continue notre exploration. Un peu moins lent.
autre astuce de Dominique Colmar, on parlait de lui la dernière fois, c'est toujours faire un petit décollement, de décoller un tout petit peu l'embouchure des lèvres quand on respire, voilà, pour réoxygéner un tout petit peu le muscle. Donc je la trouvais plus belle cette étude, et demain on fera celle dédiée à Élie Delmotte. Alors est-ce que c'est de la famille de Roger Delmotte? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à partager cette info. On va continuer avec nos amis les Clark. On va essayer d'aller plus vite que la dernière fois. Je vais vous les afficher. Voilà. Hop. Je règle la taille de la fenêtre. Formidable. Alors, les Clark, vous pouvez les trouver sur ce site IMSLP. Je ne vous ai pas encore fait une commande avec la touche attention, mais avec le point d'exclamation, mais je vais en faire. Enfin, vous tapez IMSLP sur Google, vous allez trouver. Il y a aussi beaucoup de partitions sur Gallica. Donc, si vous tapez la commande BNF, point d'exclamation BNF, vous avez le lien vers Gallica sur lequel vous pouvez trouver de très nombreuses partitions. Donc, on va continuer. La dernière fois, on était à 118. On va essayer à 120 et voir ce que ça donne aujourd'hui à 120. Le but, c'est d'aller jusqu'à 144. Faire ça, j'avais dit qu'on ferait ça. On va travailler à 118 toutes les résolutions parce que je suis pas au clair sur les formules cadentielles là. Donc je vais travailler uniquement les séquences de fin, c'est-à-dire à chaque fois la dernière mesure là. Yabada bidabolibada. Merci. Alors bonjour François, d'abord bravo pour tes infos et les cours avec Fabien que vous faites plutôt du classique. Je cherche quelqu'un qui serait plus avec des phrases jazz. Alors bonjour Speedy58. Alors, c'est pas vraiment un cours, hein, puisqu'on peut pas voir les élèves, mais en tout cas, on partage bah, ce qu'on travaille au quotidien, parce que c'est une partie que le public ne voit pas forcément du travail des professeurs et des artistes. C'est que tous les jours, en fait, on est derrière notre biniou à travailler. Donc, c'est un petit extrait de ce qu'on peut faire dans la journée. Et puis, alors, malheureusement, moi, en effet, je m'y connais pas. Du tout en jazz. J'en ai fait un tout petit peu avec le guitariste brillant Jérôme Brightman. On avait joué un peu ensemble à différentes occasions, mais voilà, donc je sais jouer des ballades de jazz, par exemple, comment? Ah oui, Nightingale in Berkeley Square. Qu'on avait joué avec Jérôme Brightman, qui est guitariste, inspiré de la version magnifique de George Shearing. Donc je vous invite à l'écouter sur YouTube. George Shearing, je vous écris comment. Je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà. Nightingale in Berkeley Square. Je vous l'écris aussi. Nightingale in Berkeley Square. Les paroles sont magnifiques, la chanson est magnifique. Mais voilà, moi je sais jouer comme ça, juste des petites ballades de jazz, mais je ne sais pas du tout chorusser correctement parce que c'est vraiment un langage en fait. Et d'ailleurs, les jazzmen maintenant le défendent, il y a des cursus de jazz au conservatoire. Et c'est vraiment un langage à part à maîtriser avec
des modes, des gammes, etc. à travailler. Donc malheureusement, peut-être que Fabien s'y connaîtra plus, mais moi, je suis vraiment plus spécialisé en musique classique. Donc on va retourner dans nos Clark, j'espère que ça répond un peu à ta question. Speedy 58, on va retourner dans nos Clark sur les formules de fin. Yabada et je vais les faire un peu en boucle pour les sécuriser. Avec Bruno Nouvion quand on a un trait comme ça qui passe pas. D'abord en croche pointée double, donc tam, papam, papam, papam. Ça refait le lien avec le jazz dont on parlait précédemment. Ensuite double croche pointée, titam, 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 titam. Ensuite on fait par exemple le début lent, la suite rapide, donc ta do di de to gi de di da. Ensuite l'inverse, papa, 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 papa. Ensuite on peut faire deux lents, le milieu rapide, deux lents, donc ta do ti de to ti de ti ta. Après 6 rapides, 2 lents, il y a pa 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 pa. Et ensuite 2 lents, 6 rapides, il y a pa 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 pa. Le but, c'est de commencer à faire des réflexes de doigts sans jouer tout d'un coup parce que le cerveau et la main pour l'instant saturent. Donc on assemble petit à petit la vitesse. Donc on va refaire tout ça sur la majeure. Donc croche pointée double. Double croche pointée. Lent au début, vite ensuite. Vite au début, lent ensuite. Vite au milieu. Crispe un tout petit peu. Ensuite, 2 lents, 6 vite. Deux lents. Ok, évidemment, celui-là, c'est le troisième piston qui est gênant. On va essayer de l'assembler. Facile que d'autres. Si majeur. Donc évidemment là-dedans, tous ceux qui utilisent le troisième piston sont plus difficiles parce que c'est le doigt le moins musclé de la main. Thank you.
Bonjour Lady Ked et bienvenue dans le stream. Si tu es trompettiste, on est en train de travailler les formules de fin de Clark, donc la dernière mesure de chaque exercice de la leçon 4 à 118 à la noire pour commencer à caler des réflexes avant d'aller plus vite parce que j'ai remarqué que j'avais des difficultés sur ces formules de fin, notamment évidemment toujours dès que ça utilise le troisième piston et n'hésite pas à suivre la chaîne avec le petit cœur pour me soutenir. Voilà, c'est absolument gratuit. On continue avec Ré majeur. Bonjour Lionel. Et merci Lady Cade pour ton follow. Merci beaucoup. On continue. Donc évidemment ceux-là ils sont plus faciles. Évidemment ceux-là sont plus faciles. Et merci donc encore pour ton follow, on est à 23 maintenant. Les plus difficiles, c'est ceux qui utilisent les troisième pistons, mais on fait quand même le tour mi majeur maintenant. Je ne joue pas de la trompette, mais je joue de l'ocarina. Mais tes exercices ont l'air intéressants pour entraîner le doigté. Ah bah, et ouais, en effet, à l'ocarina, ça doit être difficile. Alors ça, c'est les exercices Clark. Ça s'appelle Technical Studies for the Cornet. Tu peux le trouver sur IMSLP. Et le compositeur s'appelle Clark. Merci. Je fais ce que je peux. En tout cas, je travaille et je m'entraîne. Voilà, c'est l'idée, c'est de montrer justement un peu la face cachée du travail des musiciens pour entretenir bah, notamment la technique. Donc voilà, ça c'est des exercices qui avaient été faits en 1912 pour le travail des doigtés à la trompette et ça continue et ils sont très efficaces. Et le but c'est vraiment de manière systématique de mettre toutes les formules possibles, tous les enchaînements de doigtés possibles pour devenir le plus infaillible possible, sachant qu'à la trompette nous on ne joue qu'avec 3 doigts. Voilà, alors je vais continuer avec Sol bémol majeur. Le site IMSLP, c'est International Musical Score Library Project, donc projet international des partitions de musique en bibliothèque. Et c'est toutes les partitions libres de droit, donc on peut les télécharger, les imprimer légalement, puisqu'il n'y a plus de droit d'auteur et plus de droit d'éditeur sur les partitions à partir du moment où on est 70 ans après la mort de l'auteur, sans compter les années de guerre mondiale. Voilà. Donc on continue avec là, je crois. C'est ça. Fabien qui le disait dans son stream de la dernière fois, justement, quand on monte dans ces travaux de Clark, en fait, c'est plus de la souplesse que des doigtés, puisqu'on garde le même doigté. Donc là, c'est un travail de flexibilité des lèvres et de courbure de l'air.
Ok. Donc, on va continuer avec les magnifiques arrangements des suites de Bach pour violoncelle à la trompette. Je vous cherche la partition que voici. Voilà. Je vais vous la mettre à la bonne page. Donc, on avait fait le prélude et l'allemande de la suite numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. On va tenter la courante. Je garantis rien sur le tempo parce qu'il y a encore une fois beaucoup de sauts acrobatiques. À ce que je vois des fa pédales, etc. Donc ça va faire du bien encore une fois pour travailler le grave. Mais on va voir un peu comment ça se joue. Le nom de. Alors attends, ça s'affiche pas tout sur mon. Le nom de la précédente. Le nom de la précédente, la méthode précédente, c'était Clark Technical Studies for the Cornet. Et tu trouves ça sur le site IMSLP. Voilà, sans aucun problème. J'espère que ça répond à ta question. Et on continue donc avec la suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Que voici. Ça fait du bien encore une fois, tous ces trucs-là pour le grave. Thank you.
peu le soutien là à la fin. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Donc étonnamment, cette courante, c'était un peu plus facile que l'allemande. Et donc demain, on va déchiffrer la sarabande, où normalement c'est des accords à plusieurs cordes de violoncelle. Alors là, ça va être le festival de la souplesse. Alors à la fin de la méthode Clark aussi, il y a une leçon qu'on fait rarement avec vraiment brilliant, plein de souplesse comme ça sur les harmoniques. Et ça fait du bien. Alors, je vais voir où on en est avec un petit uptime dans le stream. Ça fait 49 minutes déjà. Donc, on va terminer un peu avec la méthode d'Auvernay. Alors, je ne sais pas si tout le monde. Je vais vous la remettre à la première page pour vous montrer. Si tout le monde connaît la méthode d'Auvernay, je vais vous l'afficher à l'écran. Hop! Donc voilà, la méthode d'Auvernay, qui était donc le premier professeur de trompette au conservatoire de Paris. Alors vous pouvez la trouver, cette méthode d'Auvernay également, sur Gallica. Voilà, sans aucun problème, elle s'y trouve. Donc il met des fanfares de trompette naturelle. J'en avais enregistré une sur ma chaîne YouTube, voilà, Prière du matin de Altenburg, mais à l'époque j'avais pas ma trompette naturelle, donc je l'avais enregistrée à la piccolo, mais vous pouvez l'entendre. Alors attendez, il faut que je cadre un peu mieux là l'image parce que c'est en double. Voilà, donc ce qui se situe sur la page de droite là, Prière du matin de Altenburg, je l'avais enregistré sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre ma chaîne YouTube et à liker les vidéos parce que ça soutient également la démarche. Donc il y a toute une explication, tiens, ça pourrait intéresser Fabien, sur les embouchures, etc. Il faudrait lire tout ça à l'occasion. Mais surtout, voilà, des exercices très basiques pour commencer également la trompette naturelle. Donc on va faire par exemple le numéro 20 pour voir un tout petit peu. Est-ce que ça s'affiche correctement? Oui, c'est pas trop mal. Donc on va faire ensemble le numéro 20 à la trompette naturelle pour terminer. Donc trompette naturelle qui est en do dièse. Enfin en ré, diapason baroque. Pour le centrage, alors je rappelle à nouveau que je ne suis pas trompettiste baroque, donc pour moi c'est vraiment une découverte. Alors ça ressemble un tout petit peu à ce qu'il y avait écrit dans la méthode Tar aussi. On va le faire un tout petit peu sur le détaché et le centrage toujours. Thank you.
régler là un tout petit peu l'anneau harmonique parce que là je l'avais mis pour plutôt de l'aigu donc ça roule un tout petit peu. Donc c'est un petit anneau qui est ici et en fonction de là où on le déplace sur la branche la principale, ça fait résonner différemment certaines harmoniques. Voilà, là ça roule un tout petit peu moins. Je vous mets également le lien de celui qui fabrique cette trompette, Laurent Renault, qui a fabriqué les trompettes néo-baroques, qui sont pas mal parce qu'on peut les jouer avec une embouchure normale déjà, donc ça change un tout petit peu moins les repères. Et puis voilà, pour commencer, elles sont aussi à des prix abordables, 2, 3 à 4 fois moins chères que les trompettes naturelles qu'on peut trouver par ailleurs, qui sont extrêmement onéreuses. Alors, on continue. Donc on va continuer un peu ces exercices, ça commence à venir, donc comme quoi le travail ça paye toujours. C'est intéressant parce que cette méthode, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Dauvernet était professeur au conservatoire en 1830. Donc la création de la classe de trompette, c'est 1830. Le conservatoire, il est créé en 1795, après la Révolution française. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas du tout le même traitement. L'autre fois, on parlait de Gottfried Reicha, qui était le trompettiste de Jean-Sébastien Bach. Tout dans la tessiture de clarino, j'ai l'impression, il va falloir que je regarde un peu en détail hein, les différents volumes, que la méthode Tarr, elle s'adresse beaucoup à ce type de jeu et ce type de registre. Et c'est marrant de montrer qu'en 1830, en fait, déjà, on joue sur l'octave plus bas. Donc on joue sur. Parce que la trompette, elle a un rôle militaire. Et donc c'est un instrument qui sert pour les fêtes patriotiques révolutionnaires ou de l'Empire, etc., à cette époque-là. Et donc on est plus dans une tessiture de sonnerie militaire que la tessiture où ça commence à chanter, qui est dans l'aigu, je vous montre un tout petit peu. Là, on peut faire la gamme et en dessous, on peut faire que certaines harmoniques. On va continuer avec ces exercices d'octave et puis après les triolets. Saute quelques-uns, le 56. Ok, donc c'est vraiment sur des tessitures beaucoup plus confortables. Alors ça continue de plus en plus vite,
les différents coups de langue, toujours des petits exercices d'articulation. Tiens, bah là par exemple, on va faire celui-là. Il va dans une tessiture un tout petit peu plus élevée. Donc on va tester le numéro 9. Le 10. Voilà, donc toujours sur le centrage. Donc on va s'arrêter là pour la session d'aujourd'hui. Ça a été un peu plus vite parce que cette courante de bac était assez rapide. Je vais voir pour chercher des nouveaux petits exercices pour demain pour varier toujours un peu. Donc demain, je vous rappelle qu'on se retrouve pour ceux qui le souhaitent à 13h, vendredi à 14h et samedi à 10h30. Donc j'ai mis le calendrier sur ma page Twitch. N'hésitez pas à aller voir les replays sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien. Et n'hésitez pas à liker et à suivre aussi ma chaîne YouTube. Je vais y mettre aussi d'autres vidéos. Je vais voir peut-être cet après-midi, je vais avoir le temps d'enregistrer quelque chose. Des petits duos, des trios, des études, etc. Merci beaucoup, Lady Cade. Et donc demain à 13h, si tu es là, on continue le stream de la trompette. Donc tu peux voir les anciens aussi sur YouTube. Je mets le lien de ma page Facebook également, où j'informe sur les dates de stream, sur les concerts. Merci, bah c'est le but, c'est que on se soutienne les uns les autres pour s'entraîner. Je vous informe aussi de mon stage de musique, c'est la 11e édition, Musique à Vestis en Savoie. Voilà, tout âge, tout style, tout niveau, où moi j'y enseigne la trompette à piston, la trompette moderne donc, et le cornet, pour ceux qui le souhaitent, et aussi la musique de chambre s'il y a des cuivres ou d'autres instruments qui veulent venir faire de la musique de chambre. Voilà, et bien je crois que tout est dit. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, à vous abonner, et notamment si vous êtes abonné à Amazon Prime parce que c'est gratuit et ça soutient mon projet. Et à demain pour le prochain stream.